Exercice numéro 1. Coche les dessins des personnages qui jouent avec le tapis en peau de tigre. Souvenez-vous, dans l'épisode 3, qui joue avec le tapis en peau de tigre? Regardez bien chaque illustration, chaque image, puis cochez les bonnes réponses. Exercice numéro 2. Coche ce que dit le Raja. Nous retrouvons ici le Raja. Mais que dit-il dans l'épisode 3? On vous propose trois phrases. Mettez sur pause et déchiffrez chacune de ces phrases. Maintenant, lisons-les ensemble. Il est tout petit. Il est miteux. Il sent mauvais. Vous remarquerez que chaque phrase est écrite dans une bulle puisqu'il s'agit d'une parole prononcée par un personnage. Souvenez-vous, que dit-il dans l'épisode 3? Puis, cochez la bonne réponse. Exercice numéro 3. Écris vrai ou faux? La lettre V ou la lettre F? V pour le mot vrai, c'est la première lettre du mot, et la lettre F pour le mot faux. Voici trois phrases, à vous de réfléchir si elles sont vraies ou fausses. Mettez sur pause et déchiffrez chacune de ces phrases. Lisons-les maintenant ensemble. Le tapis en peau de tigre et de plus en plus beau. À vous de compléter, vrai ou faux. Il faut laver le tapis en peau de tigre, il sent mauvais. Complétez. Le tapis en peau de tigre est de plus en plus miteux.